Lever de soleil sur l'étang de Bébert. Pont Levant de Martigues. Et voilà. Je suis du côté de la Véra et les hostilités commencent là. Je vais rejoindre les Scourillons. En fait, cette piste, elle est sur la crête du Vallon du Fou. Le Vallon du Fou, c'est ce qu'on voit tout pourri en bas, là. En fait, c'est devenu une déchetterie à un ciel ouvert. Et ils entassent, et ça pue d'ailleurs. Et avant, une vingtaine d'années, il y avait un joli sentier tout le long, jusqu'au col là-bas au fond. Maintenant, il n'y a plus que dalle, de toute façon, c'est interdit. Donc, je vais là-bas. Et là-bas. Qu'est-ce que ça pue ? Oh, c'est super raide, ça. Raide, c'est une chose, mais en plus, ça glisse. La même en couleur. Et là, on est juste derrière le stand de tir de Martigues. Et là en dessous. En fait, c'est une visite touristique aujourd'hui. Un petit tour. C'est le tour de Martigues. Sur les crêtes. Le viaduc, le temps de Bère, Martigues. Mais le pire est en face. Vous voyez, c'est juste à côté. Là. La grosse poubelle. Et alors, ils avaient prévu des limites de hauteur chaque fois, c'est par palier. Et bien là, ils l'ont dépassé d'au moins 10 mètres déjà. Et c'est le dernier palier, ça. Tous les autres sont pleins. Mieux là. On va y passer en haut. C'est hyper casse-gueule, c'est normal. Tout droit, c'est bon aussi, hein, ça va au même endroit. Vous ne voyez pas grand chose.
Et là, je vais rejoindre les moulins de Saint-Martin. Le gros moulin. On approche du moulin. Parce que ça rend le soleil plein de face comme ça. Celui-là, bon état. Celui-là, restauré. Là, j'espère qu'il n'y a pas de chien. Et habité. Pas toute l'année. Hein. Traverser là, c'est trop dangereux. Je vais prendre celui un peu plus loin. Et ça a l'air bon. Et là, je vais couper au col. C'est-à-dire ici. Les fourrillons, c'est en haut, en face. Monter par là à gauche. Toujours des surprises dans ce virage. Là, je suis sur le plateau. Je vais prendre un petit single planqué, c'est un nom de descente sur Valtaille, je crois. Un truc comme ça. Bon, par contre, je l'ai pris il y a 2-3 jours, il y avait des troncs en travers. Enfin, des troncs, il faut porter. Mieux le bruit. Là, je ne tente pas. En fait, hier, j'ai changé de sabot parce que j'ai trouvé que dans les bosses, quand ça vibrait, l'autre sabot, il y avait beaucoup de bruit. J'ai remis celui d'origine pour voir. On verra. Pour le moment, à part les pneus, je n'entends pas de bruit. Oui.
va y en avoir un autre. Celui-là, il ne passe pas non plus. Enfin, pas moi en tout cas. Celui-là, ça devait le faire. Petit, il me semble. Ouais. Il doit le faire aussi, tu vois. Là. Putain, la branche. Je vais l'enlever, moi. On se méfie, il y a un pic à gauche. Ah, et là, ils ont réparé. Il y avait des arbres au milieu. Ils ont des vététiques, hein, des promeneurs. C'est pas la mairie. Le GR, il file à droite, sauf que le GR, eh ben, il passait chez quelqu'un, ce quelqu'un s'est approprié le chemin, il a mis des grillages et des portages. Et retour sur le plateau. Arthé et Istres tout au fond. Et Tambay en bas. Allez, il reste deux descentes. Merde, j'aurais pu prendre à droite. Ouais, c'est pas grave. C'est ça pour pouvoir rattraper sans déraper dans cette partie-là. Le chemin est arrivé là à droite. En deux jours, ils ont bougé les cailloux. On va laisser tourner parce que la suivante c'est dans 20 mètres. Mais plutôt le matin c'est mieux parce qu'il n'y a personne. Et là sur cette piste, quand c'est l'ouverture de la chasse, et bien, c'est plein de bagnoles. Et voilà, elle est là la dernière. Oh putain, il y a une barrière. Encore. Moi je vais tout en face là-bas au fond. Un jour il faudra que je passe à droite à travers la colline. Je suis sûr que ça passe de partout. On veut à peu près par là, ça devrait être nickel. T'as vu, il y a un extra sel là.
descend quand même, hein. Pédale, c'est pour aller plus vite. Si on laisse filer, ça doit aller à 30. Une belle bosse derrière le village là-bas. S'il n'y a personne. Là. Et... Ça glisse dans la terre. Mais ouais, c'est humide. Et là, on arrive à Mas de Poigne, quartier de Martigues. Rue Tuniel, maison. Ouais, je n'ai rien sa ville, c'est pas rigolo, donc. Et voilà, petit tour.